envie de week-end pendant un an. Ah bon, on va peut-être pas en prendre un ou deux là maintenant. Comment il s'appelle ton prénom? Au début, c'était pas évident parce que bah, quand je suis partie, quand même, j'étais pas. On se regarde un peu en chien de faïence, hein, c'est balèze quoi, physiquement. Mais je suis hyper contente quoi. Ça s'est bien passé. Il y a eu des moments durs, normal, mais c'est un peu dur de dire à chaud comme ça, mais c'est vrai que je voulais vraiment, vraiment, vraiment y arriver, quoi. Il est un peu fougueux quand même, et en même temps, c'est une vieille machine, donc il est assez lourd par certains côtés et tout, donc... du coup, au début, on se regarde un peu en chien de faïence, et donc, bah, moi, je vais se dire, il faut qu'elle assure la petite, et puis moi, je lui disais, t'as intérêt d'être sympa avec moi. J'ai ressenti avant le départ qu'il y avait pas mal de gens qui suivaient. Et puis pendant la course, on me relayait, donc mais ça met la pression en fait. Hein. Ouais. Bah ouais, parce que plus il y a de monde à te soutenir et plus tu as envie de bien faire et plus ça te met. Moi, enfin voilà, mais c'est sympa, c'est chouette. C'est ma maman. Ça a été un projet qui a été court, donc 21 mars, tu vois, c'est vraiment parti fin mars. L'idée était là bien avant, mais ça a pu débuter fin mars, donc du coup, après, ça a été des... C'est 7-7 depuis un an, quoi. Ouais, je suis fière, ouais, je suis contente. Je suis vraiment... là, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir... et pas toute seule, mais avec mon équipe, d'avoir vraiment... un travail de fond quoi. C'est vrai que c'est plus difficile pour la jeune féminine, c'est juste que à l'âge où ça commence à marcher en fait, là où ça commence à être bien au niveau sportif parce que tu as déjà d'expérience et aussi en termes de projet et tout, ben, ce sont des choix de vie et en tant que femme, moi je pense que la seule raison parce que pour laquelle il n'y a pas plus de femmes, c'est la maternité. Sinon, il y aurait plus de femmes. Il y avait plein de nanas avec qui on naviguait, qui aimaient ça, qui sont passionnées par la mer, et par les bateaux, et par la course. Mais c'est juste qu'il y a un moment donné, un papa, il peut s'en aller quand une maman ne peut pas, enfin, elle peut pas au moins pendant un an, quoi.